Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. On se capte les gars pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo actu Fortnite. On va voir les dernières actus sur la saison 4. Donc on va parler de leak, on va parler de peut-être teasing, je sais pas, on va voir. Donc avant toute chose la famille, je vous laisse me lâcher le petit like si vous êtes toujours pas abonné. Abonnez-vous les gars, c'est super important. On parle de l'actualité de Fortnite, on fait aussi des vidéos théorie Fortnite. Et bientôt on arrive à la saison 4, donc il va y avoir encore plus de vidéos et encore plus de news. Donc abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien louper, vraiment c'est super important. Aussi, il y a un concours pour gagner 5800 ou 2800 V-Bucks. Tout est expliqué dans la description. C'est en lien avec ma map créative. Donc vous allez dans la description, il y a écrit ma map créative, le code, et il y a une vidéo qu'il faut aller voir pour que vous ayez les explications sur comment participer à la, au concours pour la map créative. Donc vous allez voir, c'est super simple. Aussi, merci à ceux qui utilisent le code Nanas. Nanas comme la chaîne YouTube, il n'y a plus de X comme la chaîne YouTube. Merci à ceux qui l'utilisent. Sur ce, on va passer à la vidéo et j'espère que ça va vous faire plaisir. Donc déjà, on va un peu résumer ce qu'on sait sur le pass de combat saison 4. Donc je vais me fier que à ce qui a leak. Voilà, je vais rien dire de plus. Bon, j'ai pas envie d'avoir des problèmes. Donc du coup, on a eu Spider-Gwen qui a été confirmé. On a eu Miaosclé chelou, là, le Miaosclé gothique qui a été confirmé. Selon l'indice de Tabor Hill de ma vidéo d'hier, pour moi, personnellement, on aura la reine des plantes. Voilà, donc j'en dis pas plus. Enfin, la reine des plantes, la meuf qu'on a vue à la fin du trailer de cette saison. Ensuite, on aurait Paradigme, peut-être, parce que on voit sa main dans l'image qui a leak. Donc Paradigme, pour moi, voilà, on va la voir. Et sinon, après, on n'a aucune autre info sur les skins qu'on aura du pass de combat. En fait, je rigole. Je rigole parce que je suis au courant d'un truc que je peux pas dire. Et vraiment, ça me fait rire de faire ces vidéos. Mais bref, j'adore avoir des infos exclusives. Donc du coup, voilà, c'est tout ce qu'on sait pour le moment. Maintenant parlons de leak 4chan. Vous le savez, depuis voilà qu'on s'approche de la saison 4, il y a plein, mais plein de mecs sur 4chan qui pop, qui disent bon, je veux garder ma source discrète, mais voici ce qu'il va y avoir dans la saison 4. Ils donnent un résumé complet de la saison, c'est des malades. Et donc du coup, il y en a beaucoup qui y croient. En fait, on en a eu plein. Et à chaque fois qu'il y en a un nouveau, il y a des gens qui y croient. Et c'est ça qui me rend, c'est que vous voyez un truc où il y a tout le monde qui essaye de vous arnaquer, mais dès qu'il y a une nouvelle arnaque, vous dites oui. Oui, oui. Les leaks 4chan, ça a été confirmé par Apex. Il n'y en a aucun qui a eu le pass de combat correct. Et moi, je suis au courant de certaines choses. Je vous le reconfirme derrière. Aucun leak 4chan n'a chopé le pass de combat correctement. C'est-à-dire qu'aucun leak 4chan a eu tout juste sur le pass de combat. Aucun. Aucun. Je les ai tous vus. Aucun. Et du coup, vous avez ma parole. Vraiment, aucun leak 4chan a eu vraiment le pass de combat correct. Donc ça veut dire que tous ceux qui ont essayé des leaks sur 4chan et nous faire croire qu'ils avaient des sources, c'est des mecs qui font du fake. C'est des arnaques. C'est rare qu'on ait des vraies infos sur 4chan. C'est super rare. Vraiment, c'est super rare. Donc, il faut pas y croire. Bon, maintenant, les gars, parlons de l'île de départ. En gros, quand vous lancez une game, on arrive sur une île avant d'aller sur la vraie île avec le bus. On va parler de cette île. Cette île, récemment. En fait, je sais pas d'où ça vient. Depuis qu'on a eu l'image de la saison 4, où en fait, on voit la même paradigme et avec une sorte de liquide bizarre, du pétrole ou du mercure, et bien en fait, il y a des gens en fait, qui, dès qu'ils voient une tache maintenant, ils disent c'est un leak saison 4 ou c'est un teasing. Et en fait, il y en a beaucoup qui ont parlé de l'île de départ où en fait, maintenant, si on fait attention, on voit en fait une flaque au même aspect à peu près que l'image de la saison 4. Et il y en a du coup qui ont dit ok, l'île de départ commence à avoir le liquide de l'image saison 4. Donc du coup, ça veut dire que Fortnite ont commencé le teasing. Vraiment les gars, si vous voulez mon avis, pour moi déjà c'était déjà là pour moi, on l'avait juste pas remarqué. Et de deux, pour moi c'est pas le teasing saison 4. Les gars, à chaque fois que Fortnite nous ont teasé quelque chose, genre vraiment c'était un vrai teasing, on le voyait quoi. C'est-à-dire que quand on nous a teasé la saison 7 des aliens, on avait des gigantesques crop circles, on avait des aliens qui nous enlevaient. Fortnite, quand ils teasent une saison, ils le font pas à moitié, ils font des trucs vraiment qu'on peut remarquer. Quand ils avaient teasé la saison de Galactus, on avait eu le marteau de Thor qui était apparu sur la carte, etc. Vraiment, les gars, quand Fortnite ils teasent une saison, ils font pas un petit truc dans un coin de la map, hein. Ils font un truc vraiment qu'on peut voir, qu'on peut identifier, qui a l'air vraiment d'être officiel, etc. Et là, le teasing, il commence très tôt. Les teasings de saison, en jeu, je parle, ça se passe vraiment à la fin. Ça se passe pas au début. Au début, ce qui peut se passer, c'est des teasings de trucs qui se passent, des pubs, des images, voilà, que Fortnite peuvent poster, ou même des trucs que les gens peuvent recevoir, les créateurs, comme par exemple à l'époque de la saison 7, les créateurs qui avaient reçu le DVD que j'avais reçu, je vous avais montré, ça c'était vraiment avant le début de la saison, tu vois. Donc c'est ça qui peut se passer avant une saison, mais c'est pas le teasing en jeu et après le teasing avec les créateurs, c'est l'inverse. Donc pour moi vraiment, ça c'est vraiment pas un teasing de la saison 4, vraiment pour moi ça c'est, en plus, c'est exactement ce qu'il y avait à la, je sais plus comment ça s'appelait, rappelez-vous
rappelez-vous, je crois que c'était un chapitre 2, saison 2 ou 3, on avait, rappelez-vous, une sorte de plateforme pétrolière où il y avait TNT Tina, je crois. Et bien à cet endroit-là, il y avait exactement les mêmes flaques. C'est pareil. Donc ça m'étonnerait que Fortnite ait réutilisé les flaques de la plateforme pétrolière du chapitre 2 pour les mettre pour teaser la saison 4. Enfin, c'est trop bizarre. Donc vraiment, pour moi, c'est pas du tout un teasing saison 4. Et vraiment, c'est déjà en fait qu'ils se font des films et qu'ils s'excitent pour rien. Et vraiment, si c'est vraiment le teasing saison 4, on devrait commencer à s'inquiéter parce qu'il vraiment, il est nul. Vraiment, il est nul le teasing. On a juste une flaque. C'est pas ouf. Et même s'il y a des gros comptes qui l'ont posté, c'est pas une confirmation, les gars. C'est pas parce que un mec, voilà, qui a beaucoup d'abonnés dit un truc que c'est forcément vrai. Et il y en a qui vont me dire, oui, du coup, ce que tu dis, c'est pas forcément vrai. Tu la veux? Je vais la manger? Non, vraiment, les gars, logiquement, pour moi, c'est pas un teasing. De toute façon, on verra. Pour moi, c'est pas un teasing. Alors, on a eu un bug sur les modes Jiggle dans la boutique. On m'a spam de ça. En fait, il y avait écrit saison 4, chapitre 3. Donc, en gros, que l'emote serait sorti en saison 4. C'est tout. Voilà, c'est ça la news. C'est-à-dire qu'on m'a spam, on m'a dit, Anas, regarde. L'emote, il y a écrit saison 4. Et alors, c'est un bug, c'est tout, point. Ça ne veut rien dire, hein. C'est juste un bug, c'est tout. Fortnite se sont trompés, ils ont mis saison 4. Bon, voilà, la belle affaire. C'est rien du tout. C'est juste saison 4 écrit, c'est tout. C'est pas. Enfin, voilà, quoi. Il y a pas. C'est pas un truc de fou, quoi. Voilà. Donc, pour moi, vraiment, c'est juste un bug. Voilà, c'est pas intéressant, c'est juste un bug, tout simplement. Alors, on a eu un nouveau leak 4chan, pour ne plus les citer. Et c'est un leak 4chan, en fait, où le mec, en fait, a pété un câble. Il dit qu'en gros, la saison sera de l'huile. Les skins sont faits en huile. La map est recouverte d'huile. Il y a de l'huile. Ce tweet, non, le mec est fou. Alors, franchement, ceux qui ont cru à ce leak, je vous jure que si je vois quelqu'un m'envoyer ce leak et me dire, Anas, je pense que c'est vrai, je le banne. Je le supprime, je le bloque. Parce que si vous croyez à ça, c'est que vous êtes vraiment idiot. C'est pas possible. Le mec fait un leak qui n'a ni queue ni tête. Le mec dit qu'il y a de l'huile partout. Il y a des skins en huile. En fait, les skins depuis le début sont faits en huile. C'est même pas un leak, c'est un troll. Mais il y en a qui vont y croire, c'est ça le truc. Donc bref, je voulais en parler parce que voilà, il y avait des gens qui ont commencé à le partager. Si vous y croyez vraiment, c'est pas méchant, hein. Mais vraiment, si vous y croyez, vous êtes idiot. C'est pas possible. Les gars, il va y avoir un leak où le mec va dire la saison 4, ce sera la fin de Fortnite et Fortnite va devenir Minecraft. Il y en a qui vont me dire, Anas, regarde ce leak, tu penses que c'est vrai? Les gars, il y a un peu de jugeote. Donc voilà la famille, c'était tout pour la vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu. C'est très difficile de savoir des trucs et de pas pouvoir vous les dire, franchement. Après, de toute façon, les gars, en vrai, je pense que avant la saison 4, tout le pass de combat aura fuité parce que il y a des gens qui ont des infos et je pense que il y a des gens qui vont les dire alors qu'ils n'ont pas le droit de le dire, etc. Et donc, du coup, ça fait que je pense que avant la saison 4, je pense qu'on aura vu tout le pass. En vrai, je pense. Voilà, on verra, j'espère pas. Alors, après, il y a beaucoup de gens qui ont des infos sur le pass, mais par contre, ils ont zéro info sur le thème et la map saison 4. Ça, c'est cool. C'est-à-dire que là, le thème et la map saison 4, à moins qu'on ait une nouvelle source qui arrive et qui le dit, et je connais personne qui sait à quoi ressemblera la saison 4 et les changements de cartes et le thème, l'ambiance générale, on va dire. Voilà. Donc vraiment, ça c'est cool. Il y a vraiment que des gens qui ont des infos là actuellement sur le pass. Voilà. Et le pass, tu vois, c'est un petit truc de la saison, tu vois. La saison, vraiment, moi ce qui me hype le plus, c'est les changements de cartes, les nouvelles villes, les nouvelles armes, etc., etc. Donc vraiment, je pense que quand même va y avoir pas mal de surprises cette saison. Moi, je pense que vraiment vous allez kiffer et je pense que la saison 4, vraiment, de ce que je sais, je pense que vraiment ça va être cool. Voilà, je sens que l'histoire revient à la place centrale. Ça me fait super plaisir parce que moi je kiffe trop l'histoire de Fortnite. Sur ce, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. On se capte pour une prochaine vidéo, les gars. C'était Nanas. Prenez soin de vous. Bang, bang, bang.